C'est un retour triomphal. L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo est rentré au pays ce jeudi après avoir été acquitté par la Cour pénale internationale. Son cortège a été suivi par des milliers de jeunes enthousiastes à l'idée d'accueillir l'ancien chef d'État qui a été forcé de quitter le pays il y a 10 ans. Un pavillon présidentiel avait été mis à disposition par le président Alassane Ouattara dès son arrivée, mais cette étape a été évitée. Direction son ancien QG, où Laurent Gbagbo a pu s'adresser à ses partisans. « Je suis heureux de retrouver la Côte d'Ivoire et l'Afrique », a-t-il déclaré à la foule. Laurent Gbagbo était jugé à La Haye pour des crimes commis pendant la crise post-électorale de 2010-2011, après son refus de céder le pouvoir à son rival, l'actuel président Alassane Ouattara. Les violences avaient fait plus de 3000 morts en 5 mois. Après son acquittement, ses proches assurent qu'il rentre sans esprit de vengeance, mais pour œuvrer à la politique de réconciliation nationale.